Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes en direct du Salon Congo de l'hôtel Pullman ici à Kinshasa, dans la commune de la Gombe, où se tient la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, une cérémonie qui va connaître la participation de la Première Dame. C'est d'ailleurs elle qui va patronner la cérémonie en question. Le ministre de la Santé publique est également annoncé, les gouverneurs de la ville de Kinshasa, les présidents de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, mais aussi quelques membres du cabinet du président de la République. Il sera donc question au cours de cette cérémonie d'évoquer l'importance de l'allaitement maternel, qui depuis un moment semble être négligé par les différentes mères qui donnent naissance au bébé. Alors sans plus tarder, je voulais suivre ce qui sera les différents discours des autorités invitées à cette cérémonie et je vous retrouve tout juste après. Pour cette invitation,
savoir si madame veut que ce soit progressé dans la santé publique ou bien la prévention. Et savoir si madame veut la commissaire générale provinciale en charge de l'affaires sociales, genre, famille et personnes vulnérables. Et savoir si mesdames et messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général de la santé, monsieur le directeur des programmes NUT, mesdames et messieurs les représentants des partenaires, mesdames et messieurs les directeurs centraux et des programmes du ministère de la Santé, mesdames et messieurs les sénégalités, à vos titres et réalités respectifs, c'est pour moi un plaisir de prendre la parole en ce lieu. Pour vous souhaiter à tous la bienvenue à l'occasion de l'ensemble officiel de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel en République démocratique du Congo. En effet, les termes régionales, comme repris sur vos invitations, plus fort avec le lait maternel uniquement, traduit un message riche et éducatif. C'est un grand honneur pour la ville de Kinshasa d'abriter cette cérémonie et je tiens à vous remercier vivement pour ce choix. Il vous promet un accompagnement et ma disponibilité pour la réussite de cette semaine à Kinshasa. La République démocratique du Congo et les premiers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre où les enfants grandissent avec des problèmes de croissance. En Afrique de l'Ouest et du Centre, le nombre d'enfants de moins de 5 ans représentant un retard de croissance est passé de 23 à 29 millions entre 2000 et 2018 et environ 4,9 millions d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère entre 8,5 millions d'enfants de moins de 5 ans touchés par malnutrition chronique en République du Congo. Près de 1,5 millions d'enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition aiguë sévère selon les enquêtes GAP à indicateur public en cible MICS de 2018 à 2019. Le lait maternel est le premier vaccin d'un nourrisson et les arrières sont des nutriments. Les nourrissons qui reçoivent des liquides et des aliments en plus du lait maternel avant l'âge de 6 mois ouvrent un risque accru de diarrhée et d'infection estomacale. Les risques de décès est jusqu'à 3 fois plus élevé que pour les nourrissons nourris exclusivement au sein. L'absence d'allaitement a un coût considérable. En plus de milliers de décès évitables à l'enfant, les traitements des maladies, l'achat des substituts des élèves maternels et la perte en productivité en raison des pertes cognitives liées à l'absence d'allaitement coûtent 409 millions de dollars par an à la République démocratique du Congo selon les recherches réalisées par Edgar en juin 2019. La ville province de Kinshasa figure parmi les provinces de la RDC ayant beaucoup contribué à la promotion de l'allaitement maternel optimal depuis des décennies à travers le programme Initiative Occupée, AMI et BBI, IHAB, cible au niveau des structures de santé et avec l'approche de nutrition assise au militaire, NAC, cible dans les communautés. Votre gouvernement, la ville province de Kinshasa a été la première à donner au pays les hôpitaux amis des bébés, c'est le cas notamment des maternités de Mou, des maternités de Kitako, des hôpitaux de Nigiri, des cliniques sud
universitaire de Kinshasa, de maternité, au Mali, en Djili, etc. Au stade actuel, la province de Kinshasa a selon MICS, P, A, N, U, R, C, O, 2018, un taux de mise au sein de leur de 36% en une moyenne nationale de 46% en vie, 35% d'enfants allaités exclusivement ont une moyenne nationale de 54% en vie. Ces taux sont loin de celle de couverture recommandée par l'Organisation mondiale de la santé et de l'UNICEF au moins 80%. C'est ici l'occasion d'en parler au gouvernement central. La ville province de Kinshasa, que je représente ici, et le partenaire de la santé et de nutrition, d'appuyer les interventions de nutrition de manière holistique pour arriver à changer la situation de l'événement naturel, optimale, en particulier, et de l'état nutritionnel des enfants en général. La ville province de Kinshasa est la seule province au pays. Il y a des indicateurs de l'état nutritionnel des enfants de meilleur pour tout un prix et ce, grâce aux moyens professionnels, ont eu le mieux de mettre par tous les secteurs de santé appelés à cette tâche et je tiens à féliciter en passant. Les données administratives tirées sur l'allaitement maternel exclusif obtenues des CPS renseignent que sur 60 184 enfants âgés de 0 à 6 mois, environ 40 000 enfants ont été allaités exclusivement en 2020 à Kinshasa. Visez-vous, première à l'excellence, mesdames et messieurs, visez-vous de l'unité, dans vos titres et dans vos titres respectifs, en cette période de former le maladie à coronavirus, qui représente la deuxième vague de la pandémie du Covid-19, et essayer de renforcer la sensibilisation des différentes couches de la société pour promouvoir l'allaitement maternel au sein durant les 6 premiers mois des vies de l'enfant, afin que ces derniers soient réellement forts dans leur vie. Car les impacts de la maternelle ne peuvent que contribuer à rendre notre enfant fort, résistant aux maladies, grandissant normalement et ayant des capacités intellectuelles. Il n'y a aucune raison de mettre un terme à ces pratiques à cause du coronavirus. Quel que soit le statut de la mère ou de l'enfant, ainsi vous verriez, je vous invite à fournir des efforts pour un accompagnement technique. Je vous encourage en outre à tenir régulièrement des réunions de sensibilisation, des organisations à base de modèle, des ONG, des associations de femmes avec beaucoup de responsabilités et de leadership, afin de booster les indicateurs et l'indépendance de la vie pour la Kinshasa. Je demande aussi aux futurs parents, chacun là où il se trouve, de soutenir l'indépendance maternelle afin de rendre notre planète saine. Il a travaillé les femmes qui allaitent à réussir un allaitement maternel exclusif. À la population qui nous embrasse, disons-nous tous ensemble plus fort avec le maternel uniquement. J'ai dit et je vous remercie. De la sous-région de l'Afrique centrale et de l'Ouest pour conduire la campagne plus fort avec le lait maternel uniquement. En effet, la RDC figure parmi les premiers pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les enfants de moins de 5 ans font face à de multiples privations, compromettant ainsi leur croissance et leur développement. Selon le LIS 2018, presque un enfant de moins de 5 ans sur deux, soit environ 8 millions d'enfants de moins de 5 ans, sont touchés par le retard de croissance. Et 21 provinces sur les 26 qui ont des RDC ont une prévalence de retard de croissance de plus de 40% dépassant le
seuil critique fixé par l'Organisation mondiale de la santé. Les études ont démontré que le retard de croissance affecte le développement cognitif de l'enfant, avec comme conséquence des difficultés d'apprentissage à l'école et à l'âge adulte, à une faible productivité qui affecte le long terme de développement économique d'un pays. Selon la même enquête NITS de 2018, des avancées ont été constatées sur le plan des pratiques de l'allaitement maternel optimal. En effet, 47% des nouveau-nés sont mis au sein dans l'heure qui suit l'accouchement et 54% des enfants de moins de 6 mois sont exclusivement allaités. Cependant, les efforts doivent encore et encore être fournis pour que tout enfant en RDC bénéficie de l'allaitement maternel exclusif. D'où l'importance de cette campagne plus forte avec le lait maternel uniquement. Sans autre. Distinguer les invités, pendant cette campagne, les partenaires de la nutrition s'engagent fortement à contribuer à l'augmentation du taux d'allaitement maternel exclusif d'ici 2025, en participant de manière déterminée à cette campagne de plaidoyer et de changement social et de comportement pour que l'eau et les autres liquides ne constituent pas un obstacle à l'allaitement maternel exclusif. Si l'eau est éliminée pendant les 6 premiers mois d'un nourrisson, la RDC pourrait dépasser l'objectif de 50% fixé par l'Assemblée mondiale de la santé, voire même aller au-delà de cet objectif et atteindre l'objectif national de 80% de taux d'allaitement maternel exclusif d'ici 2025. Je souhaite maintenant parler du but de cette campagne et de plaider pour que la RDC continue à améliorer la couverture de l'allaitement maternel exclusif sans eau, afin d'inverser la tendance de la malnutrition. Deuxièmement, d'informer les autorités politico-administratives, les partenaires techniques et financiers, les organisations gouvernementales, les entreprises, les associations, les médias, les communautés et les familles de l'importance de promouvoir, protéger et soutenir l'allaitement maternel exclusif sans eau. Faire un plaidoyer au niveau national et provincial pour accroître les investissements et les changements politiques en faveur de l'allaitement maternel. Distinguées Premières Dames, distinguées invités, les partenaires de la nutrition, tous ensemble, réaffirment leur soutien au gouvernement de la RDC qui ne cesse de fournir des efforts pour améliorer la santé de la population de manière générale et celle des enfants de moins de 5 ans en particulier. Je ne peux plus clore mon propos sans pour autant inviter les papas, les mamans, les gardiens d'enfants, les agents de santé, les encadreurs, les leaders d'opinion, les secteurs publics et privés, les journalistes à pratiquer et à encourager l'allaitement maternel optimal des enfants pour leur donner un bon débat dans la vie. Comme nous le disons tous, pratiquons l'allaitement maternel pour un Congo fort et prospère, plus fort avec le lien maternel, uniquement sans eau. Je vous remercie. Madame la vice-ministre de la Santé publique, Jeanne Clémence. Monsieur le conseiller principal, chef de l'État, en charge de la santé et bien-être. Monsieur le gouverneur de la ville province de Kinshasa. Monsieur le secrétaire général de la santé publique, Jeanne Clémence. Mesdames et messieurs les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique accrédités en République démocratique du Congo et CPS.
Mesdames et Messieurs, au nom du peuple de Colombie, Mesdames et Messieurs, les représentants du système des Nations Unies, les partenaires de la coopération et de l'éducation du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention des sites. Mesdames et Messieurs, les directeurs des programmes spécialisés du ministère de la Santé publique, hygiène et prévention. Mesdames et Messieurs, les sénateurs invités, pour vos titres et qualités. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine, reconnaît la nutrition comme un des droits fondamentaux de tous les Congolais et en intégrant les principaux piliers de son action à la paix de l'État. Il donne la priorité à la réduction de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est ainsi qu'il n'a pas hésité à mobiliser les ressources nécessaires pour contribuer à la réduction de la prévalence de la malnutrition en République démocratique. Depuis la mise en place du gouvernement soutenu sacré de la nation dirigée par son Excellence M. le Premier ministre Samuel Konoké, chef du gouvernement, sous la supervision du chef de l'État, le pays s'est engagé dans la voie de l'émergence. L'axe 49 du programme du gouvernement est consacré à la mise en œuvre de la couverture sanitaire de la Sécurité, tandis que l'axe 50 est consacré à la lutte contre les épidémies, les grandes endémies et les problèmes de santé publique, donc la malnutrition. Distingués par nous, mesdames et messieurs, en entité qualité sélective, nous sommes réunis aujourd'hui dans ce beau cadre du salon de mots de l'Opé Pullman pour lancer officiellement sous l'égide de la distinguée première dame de la campagne, plus fort avec le maternel unique. En marge de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel de l'Ukrainien en République démocratique. Cette célébration se fait dans un contexte particulier où l'humanité tout entière est séculée par la pandémie à COVID-19 et la République démocratique comme notre pays n'a pas été épargnée. Distinguée par l'État, mesdames et messieurs, en votre caractère respectif, cette année, le cadre tenu par la communauté internationale est réellement un modèle d'une responsabilité partagée. Cela sous-entend que si les Européens, tous les parents du monde, se font le devoir d'aider par le plan de l'Europe, nous aurons moins de problèmes de santé et une planète qui va prospérer dans le développement de l'énergie. Le lien maternel au regard de ces avantages, notamment le renforcement de l'immunité, l'accroissement du besoin de l'exercice de l'enfant, nous permettra d'avoir des personnes valides, compétentes et une planète saine où nous aurons moins de maladies, moins de misère, moins de pauvreté, parce que les personnes correctement palliées contribuent efficacement à son développement. Par conséquent, il n'y a aucun élément qui peut réaliser avec les maternelles, s'agissant des bénéfices apportés à l'enfant pour le rendre utile dans la société. C'est ainsi qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne, le lien plus fort avec le lait maternel uniquement est venu pour promouvoir et protéger l'allaitement maternel pendant la période de la langue de naissance jusqu'à l'âge de 6 mois, où il faut privilégier uniquement le lait maternel sans l'ajout d'autres éléments ni d'eau. Ainsi, nous invitons toutes les mères à ne donner que le lait maternel jusqu'à l'âge de 6 mois aux enfants. Nous invitons également toute la communauté congolaise, particulièrement les époux, les parents, les grands-parents, les prestataires de soins, les médecins, etc., d'aider, d'encourager, de soutenir, de protéger et d'accompagner les mères dans cette partie de l'allaitement maternel pour qu'elles soient rendues agréables. De ce fait, les enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, doivent bénéficier des avantages que procure l'allaitement maternel qui est rendement valide, utile à la société pour le développement et l'émergence de notre pays. L'allaitement maternel constitue une arme efficace contre la malnutrition sur toutes ses formes. C'est ici pour moi d'occasion.
de rappeler au respect et à la création son travail du code pour et de commercialisation des substituts de guerre matérielle de 2006. Distingués premièrement, mesdames et messieurs, en motif qualité respective, nous sommes convaincus de ce lancement de la campagne plus fort avec le matériel uniquement en marge de la célébration de la semaine mondiale de la commandation de l'intérêt constitue le point de départ pour la mobilisation de la population, la promotion, la protection et le soutien à l'allaitement maternel. J'en dis par conséquent que les autorités politiques ou administratives, les partenaires techniques et financiers, les prestataires des soins, la société civile, les ONG, les entreprises, les associations, les médias, les secteurs privés, les communautés et les familles, à accompagner les maires dans l'adoption des comportements favorables à l'élection maternelle. Distinguez premier, mesdames et messieurs, en votre égalité respective, je ne saurais terminer mon adresse sans féliciter et remercier toutes les maires qui, particulièrement maternelle, permettront ainsi à notre pays d'améliorer le taux d'élection maternelle exclusive. J'encourage toutes les autres maires à emboîter le pas en offrant uniquement le lait maternel en l'attention pendant les 6 premiers mois de la vie d'enfant. Je témoigne toute ma gratitude à la distinguée de madame qui a accepté de présider personnellement cette cérémonie. Je prie encore une fois la distinguée de madame d'accepter de devenir la marraine de la lutte contre la malnutrition odieuse silencieuse. Enfin, je m'en voudrais si je ne présente pas ma gratitude du ministère à tous nos partenaires qui ne cessent de nous accompagner dans cette lutte sacrée pour l'amélioration de l'état de santé et de nutrition de la population congolaise. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le ministère de la Santé publique et de la Prévention, plus fort avec les matériels qui vont sans eux. Je vous remercie. Donner le lait maternel sans eau à vos enfants,
à la question. Il a été rappelé ici, et nous le savons tous, que le lait maternel présente des avantages pour les nourrissons, la mère et la communauté. Il offre un bon départ dans la vie de chaque enfant grâce à un bon développement du cerveau et augmente le quotient intellectuel. Il permet tout aussi de sauver la vie des milliers d'enfants de moins de 5 ans et contribue dans la prévention de la malnutrition sous toutes ses formes. C'est le seul lait qui contient des anticorps et renforce le système immunitaire contre les maladies. En dernier lieu, ce lait apporte tous les éléments nutritifs et de l'eau pour l'enfant pendant les 6 premiers mois de sa vie. C'est pour ces bonnes raisons que révélant le thème mondial, l'allaitement maternel, une responsabilité partagée. J'invite à mon tour les prestataires des soins, les organes de presse, les autorités à tous les niveaux, la société civile, les ONG nationales et internationales, les agences de la science unie, les associations, les secteurs privés, les pères, les familles, bref, tous les membres de la communauté d'accompagner les mères à allaiter exclusivement leur enfant jusque-là, jusqu'à l'âge de 6 mois. Mesdames et messieurs, c'est les invités. Pour finir, je compte sur l'implication de chacun d'entre nous dans la mobilisation de toutes les couches pour la protection, la promotion et le soutien de l'allaitement exclusif en RDC. Car c'est l'ensemble des petites bonnes actions qui contribuent à un monde meilleur. Sur ce, je lance officiellement la campagne plus fort avec le lait maternel uniquement et souhaite un plein succès. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Merci les autres. C'en est fini pour cette émission spéciale. Mesdames et messieurs, c'était un réel plaisir de vous savoir très nombreux à nous suivre. Nous venons donc là d'assister au lancement de la célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel sous le haut patronage, bien évidemment, de la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Depuis le Salon Congo de l'hôtel Pullman, Hervé Itoma, Congo Buzz Télévision.